Bonjour les amis, je vous refais une vidéo sur mon journal d'amitié parce que j'ai supprimé l'autre vidéo pour les inscriptions car toutes les inscriptions sont faites. Si ça vous intéresse de participer parce que vous n'avez pas eu le temps de voir ma vidéo, je ferai sans doute un deuxième journal d'amitié, enfin un carnet d'amitié, pardon. Mais pour le moment, celui-ci est complet, donc je vous le refais voir rapidement pour qu'il y ait une trace sur mon fil de vidéo. Et ensuite, je le prépare et je l'envoie. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous montre un petit peu ce journal d'amitié. Donc j'ai utilisé en base les agendas qu'il y a chez Action actuellement. J'ai juste modifié pour le mettre à mon goût parce que je trouvais que les petites pochettes et la façon dont il était fait était très pratique pour ce genre de choses. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc déjà, j'ai fait une couverture avec écrit clair. Voilà, c'est le carnet des amis. Hop, donc j'ai mis la liste. Donc en dessous, vous avez un agenda 2018, si vous voulez entourer votre anniversaire ou des choses comme ça. Ensuite, la liste des participants. Donc il y a toutes ces participations-là. J'ai mis les comptes en fait YouTube. Maintenant, si vous n'avez pas, si vous êtes la personne numéro 1 et que vous voulez envoyer la personne numéro 2, mais que la personne numéro 2, vous n'avez pas ses coordonnées, vous m'envoyez un mail. Je vous ai mis mon mail là et je vous enverrai les adresses. J'ai essayé de récupérer les adresses postales de tout le monde. Donc voilà. Ensuite, je vous mets mon petit mot déjà pour vous remercier de vouloir participer et de vous expliquer un peu comment ça se passe. Ensuite, je vous ai mis ce que j'attends de vous, si c'est possible. Et puis, dans cette petite cachette, il y a mon adresse postale pour pouvoir me le renvoyer. Donc là, vous avez des petites étiquettes stickers que vous pouvez utiliser sans souci. Ce que j'adorais dans cet agenda, c'est qu'il y avait des petites pochettes plastiques comme ça. Donc j'ai glissé des petits embellissements, je vous les avais déjà présentés. Donc de toute façon, ils vont se changer au fur et à mesure des envois. Ensuite, vous avez des intercalaires. Après, vous avez des pochettes comme ça qui sont assez épaisses, où on peut mettre des scraps bidules. Donc là, j'avais mis des petites cartes de Project Life. Par contre, si vous voyez que l'album il est un peu gros, qu'il ferme plus trop, je vous autorise, c'est un peu mais bon, si vous voulez, vous pouvez enlever en fait ces parties là il y en a trois, vous voyez, il y a celle-ci et puis il y en a une troisième là. N'hésitez pas à les enlever en fait proprement. Vous remettez un petit bout de scotch sur la partie là pour que ça tienne bien. Et vous pouvez mettre ces trois pochettes là à côté en fait du journal, du carnet. Donc voilà, je vous refais un petit topo rapide. Donc là j'ai mis avec l'intercalaire où on était rendu. Donc la participation numéro 1. J'ai collé les pages ensemble avec du double face pour qu'elles soient plus épaisses et que ça soit plus solide. Donc participation 1, participation 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Voilà. Ensuite là on a d'autres embellissements, des petits papiers. Là je vous ai mis aussi d'autres embellissements. Ensuite, il y a la deuxième partie, participation 10, participation 11, participation 12. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé, bien sûr, pour celles qui ont eu la gentillesse de s'inscrire. Là, j'ai remis des petits die-cuts aussi dans une petite pochette, mais là, ça prend pas beaucoup de place, c'est assez plat. Et là, j'avais mis des brads, des petites perles, et ça, c'est assez épais, donc c'est vrai que si on peut le mettre à côté dans l'enveloppe, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, là, il y a les mails pour inscrire les mails de tout le monde si vous avez envie. Et là, n'hésitez pas à marquer des notes ou à faire un petit message si vous avez des crayons qui écrivent sur du plastifié noir.
voilà pour le petit tour de ce petit carnet. J'espère qu'il voyagera bien, que vous serez heureux de pouvoir mettre votre patte, comme j'aime bien dire. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et si jamais vous regardez cette vidéo et que vous vous dites « mince, je n'ai pas participé, j'avais envie », faites-le moi quand même savoir dans les commentaires et si j'ai beaucoup d'autres personnes qui demandent, j'en ferai un deuxième, comme ça, ça pourra permettre à tout le monde de participer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures !